Ok. Zamo, V-I-C-R-A-M. 1. Triste réalité. Ok, check. 1. On a tous trop de soucis, ça nous poursuit, mais je rappe pour ceux qui sont plus doux, qui tiennent le coup. Ça me laisse penser, combien de fois je me suis plaint, combien de fois j'ai rien vu, rien que le fait d'y penser. Moi je me sens bête, vas-y viens voir la force des mots, la sincérité de leurs yeux, je t'assure, j'insiste sur la force des mots. Rôle d'époque, ils fabriquent des machines. Si t'as pas les critères qui tu peux dégager, imagine que ça change. Moi j'y pense dans ma chance, c'est des bêtes, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, j'prends ma chance. Le pire, c'est qu'ils ont les moyens. Le président préfère augmenter ses propres moyens. Ils veulent pas que ça change, pas grave. On est là pour ça, garder la foi. Et si on sait que la vérité est dure à voir, tu vas croire la chance qu'on a. Le droit car les mecs de la joue avec le feu et l'eau des larmes. Alcool et Paris, j'arrive au volant de mon lit d'enragé. Qui t'enche les gars, les jeans, elles finissent vite arrachées. Arrachées, j'passe la bénéfice à tous ceux qui luttent pour que leur vie s'en bénisse. C'est le Ransamo, ok, expérience 2. Ok, petit ange à présent, tes ailes sont arrachées. Ton cœur a lâché en salle de réanimation, t'es attaché. Foudroyé par les électrochocs, afin que ton cardiaque système puisse se redéclencher. Car le mur, tu l'as pas raté. En état d'ébriété, de plein fouet, tu l'as heurté. Au réveil, le médecin vient t'apporter la nouvelle. Avorté par l'accident, c'est cruel, mais te voilà escorté en fauteuil roulant, t'es nourri, la vie changée. Toi qui rêvais d'indépendance, te voilà assisté. Incité, assité, attristé à vie. Car ton corps a perdu sa motricité. Trop sont en bonne santé, se mettent en danger. Comme si la conscience dans leur crâne s'était absentée. Énormément ignore ce qui la souffrance interne. D'une âme délaissée par la société. Lorsque la pitié des regards rappelle l'invalidité, quand l'imbécilité des mots confronte à cette réalité. Les gens pensent que les personnes atteintes d'un handicap sont faibles et fragiles. Pourtant chaque jour ils agissent, menant un combat de titans contre la vie. Pendant que le commun des mortels s'enlise dans l'égoïsme. V-I-C-R-A-L-Zamo, paix à tous ceux qui luttent pour que leur vie s'embellisse sans cesse.